Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma routine soin du soir et j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'arrive le soir, je suis maquillée, donc on commence tout d'abord avec le démaquillage. Pour ma part, j'utilise l'huile de coco qui est vraiment le meilleur démaquillant au monde pour moi. Comme vous voyez, moi je l'ai mise dans un pot vide de chez The Body Shop. C'est une matière solide, mais je viens la faire fondre entre mes doigts, histoire qu'elle devienne vraiment liquide et huileuse. Cette huile va vous enlever absolument tout type de maquillage, donc j'utilise voilà, pour les yeux, pour le teint, pour la bouche, absolument tout. Si vous n'avez jamais testé, je vous le recommande vivement, parce que moi, depuis que je l'ai découvert, je ne m'en passe plus et je ne pourrai pas repasser avec un autre démaquillant. Ensuite, je viens nettoyer tout ça avec mon eau micellaire Bioderma. Je pense que vous le savez aussi, c'est vraiment mon eau micellaire favorite. Je n'ai pas envie de changer et je ne changerai pas, je pense. Elle est vraiment très très bien, donc ouais, j'enlève absolument tout le maquillage qui reste. Ensuite, je viens enlever tout ça avec de l'eau. Maintenant, on va passer au nettoyage. Alors, pour ma part, j'utilise l'éponge Conjac, la blanche, sur laquelle je viens mettre un nettoyant sur gras de Yves Rocher, qui est très très bien puisqu'il a un effet hydratant. Donc il ne vient pas du tout dessécher la peau, moi qui la peau sèche, il me convient très bien. Le combo de l'éponge Conjac et de ce nettoyant est vraiment parfait pour enlever tout le reste de maquillage. Ça vient nettoyer la peau de toutes les impuretés. Comme tout à l'heure, je viens nettoyer mon visage avec un gant d'eau et le sécher. Maintenant, brossage de dents obligé. Donc en ce moment, j'utilise le Colgate Max One White qui est très très bien. Passage à la douche. Donc là, je viens prendre ma fleur de douche de chez The Body Shop que j'ai eu récemment et que j'aime beaucoup. Et au niveau gel douche, j'utilise en ce moment le Cottage Home Oil, celui qui a un peu l'aspect huileux, qui est très très bien, il mousse extrêmement bien. En sortant de la douche, je viens m'hydrater le corps avec un beurre de chez The Body Shop. En ce moment, j'aime beaucoup celui à l'amande. Donc voilà, je fais ça absolument tous les soirs en sortant de la douche. Et au niveau du visage, je viens mettre mon Egyptian Magic Cream, qui a une texture un peu huileuse comme vous le voyez. Pour les filles qui ont la peau sèche, elle est vraiment idéale car très grasse, donc à la fin voilà, on a un fini gras, mais pour la nuit c'est absolument pas grave et le matin au réveil la peau est repulpée et assouplie. On peut également l'utiliser en tant que baume à lèvres et donc c'est ce que je fais. Voilà pour ma routine du soir, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez avoir des détails sur tous les autres produits que j'utilise pour mon visage, donc tout ce qui est gommage, masque, etc. que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui s'affiche en ce moment devant vous pour voilà, voir en détail les autres produits que j'utilise pour mon visage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !